Coucou tout le monde, moi c'est Stella, je suis une de vos tutrices d'anatomie du deuxième semestre et ensemble on va voir les cours sur l'appareil digestif dès la toute rentrée et on va voir aussi le cours sur la paroi du tronc. Mais ça ce sera soit en SDA, soit la fiche sortira après le cours donné par la fac. Comme c'est un cours assez long et assez dense, on va le faire en deux vidéos. Aujourd'hui on va voir l'anatomie de surface, on va voir comment s'organise de manière générale l'appareil digestif et comment il se met en place. Et ensuite, on va détailler un à un les organes qui le composent, donc la jonction œsogastrique, l'estomac et le bloc duodéno-pancréatique pour aujourd'hui. Et le reste, ce sera dans une seconde vidéo. On commence avec l'anatomie de surface. C'est important parce que si vous êtes un médecin, que vous recevez un patient aux urgences parce qu'il a mal au ventre. Mal au ventre, c'est très vague, ça peut concerner le foie, l'estomac, la rate, etc. Donc, quand il va vous désigner la zone précise qui lui fait mal, il faut savoir quel organe se trouve à ce niveau-là. On va avoir besoin de tracer des lignes pour se repérer. On a les deux lignes médio-claviculaires. Donc, médio-claviculaires au milieu des clavicules. Elles sont verticales et elles passent en dedans des mamelons. Voilà. Ensuite, on a la ligne bimamelonnaire qui relie les deux mamelons. La ligne bisoucostale qui passe par le bord inférieur des côtes et la ligne biliaque qui relie les deux épines iliaques antéro-supérieures. C'est les deux proéminences osseuses que vous voyez là. Là, on remarque que ça délimite deux choses. Premièrement, ça délimite les régions entre les lignes horizontales. On a la région thoracique tout en haut, la région thoraco-abdominale entre la ligne bimamelonnaire et la ligne bisoucostale. La région abdominale, entre la ligne bisoucostale et biliaque, et tout en bas, c'est la région abdominopelvienne. Ensuite, on délimite des cadrans. Donc ça, c'est entre toutes les lignes. On a l'hypocondre droit, l'épigastre, l'hypocondre gauche, dans la région thoraco-abdominale, le flanc droit, la région péri-ombilicale et le flanc gauche dans la région abdominale. Et ensuite, dans la région abdominopelvienne, on a la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche et l'hypogastre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ces cadrans vont se projeter les différents organes. Donc en profondeur de l'hypocondre droit, on retrouve le foie, la vésicule biliaire et le rein droit. En profondeur de l'épigastre, on a le foie qui vient de dépasser et l'estomac. Donc je vous laisse regarder toute la projection des organes parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et maintenant, on va regarder ce schéma-là. En fait, ce qu'on a vu ici, c'était juste une délimitation arbitraire pour se repérer en surface à l'œil nu. Maintenant, physiquement, on distingue non pas une région thoracique et une région abdominale, mais une cavité abdominale et une cavité thoracique. Elles sont séparées en fait par un muscle. Donc là, c'est une vraie séparation physique, ce n'est pas juste des lignes qu'on a tracées. Ce muscle, c'est le diaphragme thoraco-abdominal. C'est en fait, c'est le muscle qui va se contracter à la respiration, il va s'abaisser lorsque vous inspirez et il va se relever à l'expiration. On dit que c'est un muscle plat et qu'il est composé de deux coupoles asymétriques. Donc on a la coupole droite. Vous pouvez voir qu'elle est plus haute que la coupole gauche parce qu'en fait, elle est relevée par le foie. Donc on a la coupole droite qui vient affleurer la ligne bimamelonnaire alors que la coupole gauche, elle va rester 2 à 3 travers de doigts en dessous. Donc ça, c'est la différence entre cavités qui sont bien séparées par le diaphragme et les régions qui sont séparées par les lignes en anatomie de surface. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez voir qu'en fait, la région thoraco-abdominale, elle est un peu spéciale parce que comme le diaphragme se projette en son sein, on a dans la région thoraco-abdominale à la fois des organes thoraciques comme le cœur et les poumons, mais aussi des organes qui appartiennent à la cavité abdominale. Donc, une plaie à l'arme blanche dans cette région, ça peut entraîner soit des lésions thoraciques, soit des lésions du foie, et c'est ce qu'il faut déterminer quand le patient arrive aux urgences. Dernière chose, on a dit que le foie et la rate étaient donc respectivement dans l'hypocondre droit et dans l'hypocondre gauche. Hypocondre, c'est hypo sous condre les côtes, donc ça veut dire qu'ils sont normalement masqués par les côtes. De manière physiologique. Maintenant, s'ils sont hypertrophiés, donc de manière pathologique, on va parler d'hépatomégalie pour le foie et de splénomégalie pour la rate. On va pouvoir les palper et là, c'est une situation qui est anormale. OK.
Maintenant, on va voir comment s'organise le tube digestif. J'ai bien dit le tube digestif et pas l'appareil digestif parce que c'est deux choses différentes. Le tube digestif, c'est tous les organes par lesquels vont transiter les aliments. L'appareil digestif, ça regroupe tous les organes qui concourent à la fonction de digestion, mais par lesquels ne passent pas forcément les aliments. Donc dans le tube digestif, on a donc la bouche, puis l'œsophage, c'est le long tube que vous voyez là, qui est d'abord thoracique, puis abdominal. Ensuite, on a l'estomac, c'est cette poche que vous voyez là, où les aliments vont être digérés une première fois, c'est une digestion qui est chimique. Ensuite, on arrive à l'intestin grêle, en trois parties, le duodénum, tout ça. Ensuite, on a l'intestin grêle avec le jéjunum, puis on poursuit avec l'iléon. Donc, c'est toute la partie rose clair entortillée. Et enfin, on arrive au niveau du côlon. Le côlon, il possède une annexe, un diverticule, qui est le cécum. C'est cette partie que vous voyez là. Le cécum a lui-même une annexe, un diverticule, qui est l'appendice vermiforme. C'est la toute petite partie en forme de ver, vermiforme, qui est là. Donc ça, c'est le cécum et l'appendice. Ensuite, on a le côlon, qui est en quatre parties. D'abord, le côlon ascendant à droite. Le côlon transverse, c'est cette partie qui barre horizontalement la cavité abdominale et qui permet de faire la distinction entre un étage supramésocolique au-dessus et inframésocolique en dessous. Après le côlon transverse, on a le côlon descendant gauche. Et enfin, on a le côlon sigmoïde, donc là, on ne le voit pas vraiment, mais on l'appelle ainsi parce qu'il a la forme d'un sigma, d'une boucle. Et enfin, pour terminer, on a le rectum qui stocke les matières fécales et qui se termine par l'anus. Alors, donc ça, c'était pour le tube digestif. Maintenant, on a des organes donc, qui n'appartiennent pas au tube digestif, mais qui font partie de l'appareil digestif, qui sont le foie. Le foie, il va fabriquer la bile et il va filtrer le sang intestinal. Ensuite, on a la rate, c'est l'organe qui est là. La rate, en fait, c'est ni un organe de l'appareil digestif ni du tube digestif. C'est un organe lymphoïde qui va fabriquer les éléments du sang. Donc après la rate, on a le pancréas, donc c'est la partie en jaune ici. Pancréas qui est encadré par le duodénum et qui va servir à fabriquer les sucs pancréatiques, mais aussi à gérer la glycémie, comme vous l'avez vu en bioche, puisque c'est lui qui sécrète l'insuline et le glucagon. Et enfin, appendu à la face inférieure du foie, on a la vésicule biliaire qui aura pour fonction de stocker la bile. Okay. Donc, là, vous avez vu une structure qui est très contournée, qui est très complexe. Tout ça, ça va se mettre en place au moment de l'embryologie. En effet, au départ, vous avez un tube digestif primitif qui est chez l'embryon très aligné dans un plan sagittal en face de l'aorte. Donc, si on regarde l'embryon, on peut voir ses arcs branchiaux. Là, il y en a cinq paires. On a la masse cardiaque. Ici, vous avez l'ébauche du diaphragme, c'est le septum transversum, l'ébauche du foie et le cordon ombilical. Donc, maintenant, concernant le tube digestif, on a le stomodéum, l'ébauche de la bouche, l'œsophage primitif, l'estomac primitif, le duodénum primitif. Et là, vous avez la anse intestinale primitive avec une branche crâniale supérieure, une branche caudale inférieure. Là, vous avez l'intestin terminal. L'intestin terminal qui est en lien avec la future vessie, qui est le diverticule allantoïdien. Et là aussi, vous avez le bourgeon du cécum, le bourgeon cécal, qui est au niveau de la branche caudale de la anse intestinale primitive. On va maintenant s'intéresser à la vascularisation de ce tube digestif primitif. Donc, on a dit qu'il était bien aligné en face de l'aorte. En effet, de l'aorte vont partir en fait toutes les branches qui vont vasculariser le tube digestif. Premièrement, au niveau de T12, donc de la 12e vertèbre thoracique, on a le tronc cœliaque qui va se diviser en trois branches. Une branche hépatique pour vasculariser le foie, une branche gastrique gauche, parce qu'on verra qu'il y en a une droite, pour vasculariser l'estomac, et une branche splénique, une artère splénique, pour vasculariser l'ébauche de la rate. Donc ça, c'est pour le tronc cœliaque.
Deuxième branche à destinée viscérale qui part de l'aorte, c'est l'artère mésentérique supérieure. Elle va vasculariser la anse intestinale primitive en donnant beaucoup de rameaux pour la branche crâniale et beaucoup moins pour la branche caudale. Troisième et dernièrement, vous avez l'artère mésentérique inférieure qui, elle, vascularise l'intestin terminal. Donc, ici, vous avez vu qu'on a l'œsophage, l'estomac, le duodénum, mais il nous reste en fait l'intestin grêle, le côlon et le rectum à avoir. En fait, la branche crâniale de la anse intestinale primitive donnera la quasi-totalité de l'intestin grêle. La branche caudale donnera la fin de l'intestin grêle ainsi que toute la partie droite du côlon, c'est-à-dire le cécum, l'appendice, le côlon ascendant et la partie droite du côlon transverse. Et l'intestin terminal se différenciera en toute la partie gauche du côlon, donc côlon transverse gauche, côlon descendant, côlon sigmoïde et aussi le rectum. On va maintenant s'intéresser à la mise en place du péritoine. Vous l'avez vu en embryologie, le péritoine, c'est une des trois séreuses avec donc le péricarde au niveau du cœur, la plèvre au niveau des poumons, et là, au niveau de la cavité abdominale, on a le péritoine. Donc, comme toute séreuse, il est formé de deux feuillets. On a le péritoine pariétal qui est accolé à la paroi, et il est en continuité avec le péritoine viscéral qui, lui, vient tapisser les organes en dedans. Ces deux feuillets, ils sont en continuité, c'est juste la localisation qui fait changer le nom, hein, selon qu'on soit accolé à la paroi ou accolé à l'organe. Ces deux feuillets viennent circonscrire d'une part la cavité péritonéale, donc dans le péritoine, et d'autre part, en arrière du péritoine pariétal postérieur, on a la cavité rétro-péritonéale, rétro en arrière, dans laquelle on va trouver les reins, droit et gauche, l'aorte et la veine cave inférieure, qui sont les gros vaisseaux, et le pancréas. Donc le pancréas, il est rétro-péritonéal. Ici, on a la droite à gauche, le rein droit à gauche, parce que l'on est sur une coupe scanner, et que donc on regarde le patient d'en bas par les pieds. Voilà, donc deux feuillets et deux cavités. Ok, donc maintenant, on va voir que selon la manière dont s'organise le péritoine, en fait, on a différentes structures qui sont décrites. La première qu'on voit, c'est le méso. Le méso, en fait, ça va être le résultat de l'accolement de deux feuillets de péritoine viscéral, ce qui va permettre de porter les artères à destinée des viscères. Par exemple, au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui vascularise l'estomac? C'est le tronc cœliaque, puisqu'il donne l'artère gastrique gauche. Donc, le méso, ça va être deux feuillets de péritoine viscéral qui vont venir s'accoler. Et entre ces deux feuillets, va circuler le tronc cœliaque et l'artère gastrique à destination de l'estomac. Donc, on a non seulement l'estomac, mais aussi le foie et la rate qui sont vascularisés par le tronc cœliaque. Donc, comme à ce stade-là, on a l'estomac, le tube digestif dans un plan sagittal et qu'on a la rate en arrière de l'estomac et le foie en avant, on va avoir un mésogastre dorsal au niveau de la rate, un mésogastre ventral au niveau du foie. Donc le mésogastre dorsal, il rattache l'estomac à la paroi postérieure et le mésogastre ventral, il rattache l'estomac à la paroi antérieure et il véhicule le tronc cœliaque et ses branches. Maintenant, au niveau de l'intestin primitif, de la anse intestinale primitive, qu'est-ce qui la vascularise? C'est l'artère mésentérique supérieure. Donc ça va être le rôle du mésentère d'apporter l'artère mésentérique supérieure jusqu'à l'intestin primitif. Là, on a uniquement un méso qui est dorsal et qui rattache la anse intestinale à la paroi postérieure. Et au niveau du côlon, c'est la même chose. On aura l'artère mésentérique inférieure qui circule dans le mésocôlon au niveau de l'intestin terminal. En fait, un méso, normalement, c'est uniquement dorsal, c'est-à-dire que ça va uniquement rattacher l'organe à la paroi postérieure en lui amenant sa vascularisation. C'est une exception au niveau de l'estomac de retrouver
un mésogastre ventral. Ok, ça c'était pour les mésos. Maintenant, on va voir comment le péritoine et le tube digestif tel qu'on le connaît aujourd'hui se mettent en place au niveau embryologique. En fait, cette mise en place, elle se fait par rotation des organes. On va ainsi avoir une première rotation à l'étage supramésencolique, mésocolique, c'est-à-dire au-dessus du côlon transverse. On l'a vu tout à l'heure. Cette rotation, elle va se faire dans un sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autour d'un axe crânio-caudal, c'est-à-dire un axe vertical. On va voir ça, on va suivre le schéma. Donc, l'estomac, vous voyez qu'il passe d'un plan sagittal à un plan, ici, frontal. Donc, il a bien suivi une rotation comme ça, anti-horaire, autour d'un axe crânio-caudal, parce qu'il a tourné sur lui-même comme ça. Maintenant, au cours de cette rotation, on peut voir que le foie, il passe de là à là, donc il va dans l'hypochondre droit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La rate dans l'hypochondre gauche, pareil, toujours dans un sens anti-horaire autour de l'axe crânio-caudal. Et cette rotation, ça vient créer cette cavité qu'on voit là, qui est la bourse omentale. On l'appelle aussi arrière-cavité des épiploons. Donc on peut voir qu'elle est située en arrière de l'estomac, en avant de l'aorte, et qu'elle est délimitée par les feuillets du péritoine. Parce qu'en fait, le péritoine, au cours de cette rotation, il va suivre les organes. Donc ça va former tous ces creux, tous ces diverticules que vous pouvez voir là. À partir de ce moment-là, les mésos tels qu'on les a vus vont devenir des ligaments. En fait, le terme de méso, le terme de mésogastre, c'est réservé à l'embryologie. Le mésogastre ventral qui relie donc l'estomac et le foie va devenir le ligament gastro-hépatique et le mésogastre dorsal qui relie l'estomac et la rate va devenir le ligament gastro-splénique. Donc ligament gastro-splénique, ancien mésogastre dorsal, et ligament gastro-hépatique ou petit omentum, on verra ça ensuite, qui est aussi l'ancien mésogastre ventral. Et la portion ici de péritoine qui est rattachée avant le foie à la portion à la paroi antérieure devient le ligament falciforme hépatique. On va voir ça plus tard. Donc ici, quand on a parlé de ligament, il faut bien faire la différence avec le méso. Le méso, donc, ça a rattaché l'organe à la paroi postérieure, sauf au niveau du mésogastre, mais c'est une exception, et ça lui a apporté les vaisseaux nécessaires à sa vascularisation. Un ligament, dans sa définition, c'est un double feuillet de péritoine viscéral qui va réunir deux organes. Donc ici, ça correspond bien à la définition, puisque le ligament gastro-hépatique, il relie la petite courbure de l'estomac au foie, et que le ligament gastro-splénique relie la grande courbure de l'estomac à la rate. Et le ligament falciforme, on verra tout à l'heure, qui relie aussi différents organes entre eux. Donc le ligament, c'est entre deux organes, et le méso, c'est entre l'organe et la paroi. Ok, voilà, c'est ce qui est marqué là. Donc en effet, on a un mésogastre ventral qui devient le ligament falciforme et le ligament gastro-hépatique, et un mésogastre dorsal qui devient le ligament gastro-splénique. Ok, donc ce qu'on a vu là, c'était à l'étage supramésocolique, puisqu'on était au niveau de l'estomac, du foie, etc. Maintenant, en dessous du côlon transverse, à l'étage inframésocolique, on a une autre rotation qui est toujours dans un sens anti-horaire, mais cette fois, l'axe, il n'est pas crânio-caudal, on va tourner autour de l'artère mésentérique supérieure. Donc l'axe, c'est celui de l'artère mésentérique supérieure. On va avoir trois rotations successives de 90 degrés. Donc 90 fois 3, au total, on a une rotation de 270 degrés. Et donc dans la première rotation de 90 degrés, on a un bourgeon sécal qui va passer de l'hypogastre à l'hypochondre gauche. Deuxième rotation, il passe de l'hypochondre gauche à l'hypochondre droit. Donc là, on a effectué 180 degrés de rotation.
Et enfin, troisième rotation, on arrive à 270 degrés. Il arrive dans sa position définitive qui est la fosse iliaque droite. Voilà. Alors là, le schéma que je vous ai mis, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là, on a le bourgeon sécal. Première rotation de 90 degrés, il est passé dans l'hypochondre gauche, puis hypochondre droit et enfin fosse iliaque droite. Ce qu'on voit en plus, c'est que, on s'en rappelle, avant la rotation, on est dans un plan sagittal, donc on a deux feuillets au niveau du mésentère, celui à droite et celui à gauche. Au cours de la rotation, vous pouvez le voir, le bourgeon sécale, enfin, tout va tourner autour de l'artère mésentérique supérieure, et donc en fait, les faces du mésentère, elles vont se retourner un peu comme on retourne une crêpe, et alors qu'au début, ici, on voit le feuillet droit, à la fin, on verra le feuillet gauche. Voilà, là je vous ai mis le lien vers une vidéo qui montre un peu la rotation de manière interactive. C'est super court, si vous voulez le voir, c'est pas mal. Maintenant, au niveau de ces rotations, on peut avoir différentes anomalies. Déjà, on peut avoir des rotations qui sont inférieures à 270 degrés à la fin. Donc là, c'est des hyporotations. 0 degré, c'est-à-dire pas de rotation, ça n'a jamais été décrit parce que c'est non viable. 90 degrés, c'est-à-dire que le bourgeon sécal va s'arrêter au niveau de l'hypochondre gauche. C'est ce qu'on appelle un mésentérium comminé. Ça va provoquer chez le nouveau-né des brides péritonéales, c'est-à-dire des occlusions intestinales, en fait, qui sont assez dangereuses chez le nourrisson. Enfin, à 180 degrés, donc uniquement deux rotations, on retrouve l'appendice dans l'hypochondre droit. Et chez ces patients-là, s'ils présentent une appendicite une fois adulte, ça va faire qu'en fait, la douleur se manifestera dans l'hypochondre droit, non pas en fosse iliaque droite, et ça pourra méprendre le diagnostic. Enfin, les hyperrotations qui entraînent le bourgeon sécal au milieu et l'appendice au milieu de l'anse intestinale, c'est quand la rotation est supérieure à 270 degrés. Enfin, donc cas très rare, on peut avoir un situs inversus, c'est-à-dire une inversion totale de la disposition des organes. Par exemple, le foie va être à gauche, la rate va être à droite. Voilà. Vous pouvez avoir pareil au niveau du cœur, une inversion des cavités. Là, c'est au niveau de la cavité abdominale. Maintenant, on va voir la jonction œsogastrique. Donc, jonction œsogastrique, aussi appelée la région du cardia, c'est l'endroit où on fait transition entre l'œsophage et l'estomac. Cette zone, elle est très importante parce que, comme vous le savez, l'estomac, c'est une zone qui est très acide, qui est là pour digérer les aliments, et il ne faut surtout pas que cette acidité remonte dans l'œsophage. Donc, le rôle du cardia, de la cardia, c'est de contenir l'acidité gastrique. Pour ce faire, on va étudier déjà l'anatomie de la région. Donc, le diaphragme thoraco-abdominal, il a cette forme qu'on a vue tout à l'heure, qui est un peu, je reviens sur le premier schéma, qui est un peu une forme de parachute. On regarde la vue sagittale ici, on retrouve bien ici une zone horizontale, donc on dit que c'est la zone phrénique où vont s'apposer les organes thoraciques. Et ici, on a la pente diaphragmatique qui est plutôt verticale et qui vient s'insérer sur le rachis. Alors, voilà. Donc, au niveau des insertions sur le rachis, on peut voir qu'on a des piliers fibreux qui vont permettre au diaphragme thoraco-abdominal de bien s'amarrer sur la colonne vertébrale. Déjà, on décrit ici un pilier fibreux droit qui descend bien bas et un pilier fibreux gauche qui descend un peu plus haut. Ces deux piliers vont venir s'unir au milieu pour entourer l'aorte, parce que tous les éléments qui sont dans la région thoracique, à un moment, il faut bien qu'ils traversent le diaphragme pour passer dans la cavité abdominale. Ça va se faire au niveau des différents hiatus qu'on va étudier. Donc, le hiatus aortique, il est formé par l'union du pilier fibre droit et du pilier fibre gauche en avant de l'aorte, qui traverse le diaphragme au niveau de T12. Ce hiatus aortique,
il forme ce qu'on appelle le ligament arché médian. Donc en fait, le ligament arché médian, c'est l'union des deux piliers fibreux autour de l'aorte en T12. Maintenant, le ligament arché médial. Donc le ligament arché médial, c'est celui-là et de l'autre côté aussi. Il vient surplomber le psoas. Le psoas, c'est ce muscle de forme longue, il est fusiforme. Il est aussi creux, hein, on a deux faisceaux, un faisceau antérieur qui s'insère sur les processus transverses ou costiformes des vertèbres lombaires et un faisceau postérieur qui vient s'insérer sur les disques intervertébraux. Donc ça, c'est le ligament archimédial qui va du pilier fibreux, ici, jusqu'au processus transverse de la première vertèbre lombaire. Ensuite, on a le ligament arché latéral qui, lui, va surplomber le muscle carré des lombes. Le muscle carré des lombes, on peut voir qu'il s'insère en distalité sur la crête iliaque et en haut sur la 12e côte. On ne voit pas. Ce ligament arché latéral, donc il va du processus transverse de L1 jusqu'au sommet de la 12e côte. Et enfin, on a un dernier ligament qui est un peu moins important, qui est le ligament intercostal qui va unir K12 et K11, donc la 11e et 12e côte, à la 10e côte, à K10. Voilà, donc on a un ligament arché médian avec l'union des deux piliers fibreux, ça forme le hiatus aortique, un ligament arché médial qui va du pilier fibreux jusqu'au processus transverse de L1 et qui surplombe le psoas, et un ligament arché latéral qui surplombe le carré des lombes et qui va de L1 au sommet de K12. Donc ça, c'était pour les piliers fibreux. Maintenant, on a aussi des piliers musculaires. Les piliers musculaires, comme vous pouvez le voir, c'est eux qui vont former le hiatus œsophagien, cette fois en T10. On va avoir un pilier musculaire droit et un pilier musculaire gauche. Le pilier musculaire gauche, vous pouvez voir qu'il s'insère en arrière du pilier musculaire droit, qui lui-même s'insère sur le pilier fibre droit. Voilà, donc ne pas confondre les piliers musculaires autour de l'œsophage avec les différents piliers fibreux qui permettent d'attacher le diaphragme au rachis, enfin à ces différentes zones d'insertion. Bien apprendre les hiatus, on a le hiatus aortique en T12, le hiatus œsophagien en T10 et aussi le hiatus de la veine cave inférieure qui lui est au niveau de T8-T9 et qui traverse le centre phrénique, donc la portion horizontale. Donc, tout à l'heure, on a vu que le rôle de la région du cardia, c'était de bien maintenir l'acidité gastrique en place. Parce que si ça remonte dans l'œsophage, ça va abîmer la muqueuse et provoquer des maladies. Cette continence, elle est permise grâce à plusieurs facteurs, qui sont au nombre de 5. Le premier, ça va être ce que vous voyez là, c'est l'incisure cardiale qu'on appelle aussi angle de His. En fait, lorsque vous mangez, vous avez les aliments qui descendent l'œsophage, qui se déversent dans l'estomac. Donc, celui-ci va gonfler petit à petit et les aliments vont venir plaquer en fait cette incisure cardiale qui se situe entre le bord gauche de l'estomac et le bord droit de la tubérosité gastrique. La tubérosité gastrique, c'est toute la partie supérieure là, que vous voyez. Donc, les aliments vont venir plaquer cette zone-là et ça va permettre à l'acidité gastrique de rester bien au niveau de l'estomac et de ne pas remonter. En fait, c'est comme un effet clapet, si vous voulez. Le deuxième facteur, en fait, il vient juste compléter le premier. On appelle ça la valvule de Gubarov ou le pli cardial. En fait, c'est la muqueuse qui vient tapisser l'angle de His et qui vient compléter l'effet de clapet. Troisièmement, on a le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est la zone qui se situe là. C'est en fait un épaississement des fibres circulaires. Donc, les fibres, un sphincter, c'est toujours un muscle avec des fibres circulaires. Par exemple, un sphincter que tout le monde connaît, c'est l'anus. C'est des fibres musculaires circulaires. Donc, ici, ce qui est important de noter et sur quoi les profs vont faire des pièges, c'est que l'épaississement des fibres ici, il n'est pas palpable. Il ne va pas se voir à l'œil nu.
Pour le sentir, il va falloir mesurer les pressions. Si vous faites une manométrie œsophagienne, c'est-à-dire une mesure des pressions au niveau de l'œsophage, vous verrez qu'ici, les pressions sont beaucoup plus élevées en bas de l'œsophage qu'en haut, du fait de ce sphincter. On n'a pas d'épaississement, mais une augmentation des pressions. Ensuite, le quatrième facteur de continence, c'est la troisième couche de fibres, qui sont des fibres obliques. Sur toute la longueur du tube digestif, vous avez deux types de fibres musculaires, les fibres longitudinales à l'extérieur, les fibres circulaires à l'intérieur, et au niveau de l'estomac spécifiquement, vous avez une troisième couche de fibres musculaires qui cette fois sont non pas longitudinales ni circulaires, mais obliques. Enfin, le dernier facteur, c'est la position intra-abdominale de la jonction œsogastrique. En fait, vous avez une différence de pression entre la cavité abdominale et la cavité thoracique. De manière générale, la pression dans la cavité abdominale, elle est beaucoup plus élevée. Au moment de l'inspiration, cette différence, elle est encore majorée parce que votre diaphragme va se contracter pour s'abaisser. Ça va créer une dépression dans la cavité thoracique. Et qui dit dépression dit effet d'aspiration. Donc en fait, les éléments vont avoir envie de remonter à travers les hiatus dans la cavité thoracique. Et ça va être le sphincter, ça va être les piliers musculaires de l'œsophage qui vont permettre de maintenir cette position intra-abdominale et sous-diaphragmatique. Parce qu'en fait, ils vont retenir les éléments à l'intérieur de la cavité abdominale, les empêchant de remonter. Et ça va permettre en fait de maintenir l'anatomie. Voilà, tout en ayant une balance thoraco-abdominale des pressions. D'ailleurs, si jamais on a un relâchement de ces piliers, ça va faire que les éléments vont remonter et sont ce qu'on appelle une hernie hiatale avec une acidité gastrique qui se déverse dans l'œsophage et qui peut mener à des cancers. Ok, donc là, on a passé la jonction œsogastrique et on se trouve maintenant dans l'estomac. Donc, on rappelle que les aliments, vous les avez mâchés dans la bouche, déglutis au niveau du pharynx, ils ont passé l'œsophage et là, maintenant, ils sont déversés dans cette poche et ils s'apprêtent à être digérés une première fois. Cette digestion, elle se fait grâce à la sécrétion d'acide chlorhydrique par les cellules gastriques. Ça va faire qu'en fait, l'estomac va avoir un pH très acide. C'est pourquoi d'ailleurs on a vu qu'il ne fallait pas qu'il soit déversé dans l'œsophage si la continence lâche. Alors, donc on peut voir que l'estomac, il se situe entre l'œsophage en haut et en bas, la délimitation entre l'estomac et le duodénum, elle se fait par le pylore. Le pylore, c'est un sphincter que vous voyez là. Un sphincter, cette fois par épaississement palpable des fibres musculaires circulaires. Donc, à la différence du sphincter inférieur de l'œsophage, qui était juste une augmentation des pressions, là, on a bien un épaississement palpable des fibres musculaires circulaires, qui va permettre de réguler le flux gastrique vers le duodénum. Maintenant, si on regarde l'anatomie de l'estomac, on va lui décrire à droite une petite courbure. Petite courbure avec un angle qui est caractéristique, qui se trouve au niveau de T12, qu'on appelle l'angulus, qui se projette au niveau du tronc cœliaque. L'angulus au niveau de T12. Ensuite, à gauche, on a la grande courbure sur laquelle va se suspendre le grand omentum, que vous verrez ensuite. Ensuite, on lui décrit plusieurs parties. Donc, partie supérieure, c'est la grosse tubérosité ou fundus. On parle de poche à air parce qu'en fait, c'est un endroit, c'est un endroit qui est le plus souvent rempli d'air puisque c'est la partie la plus supérieure de l'estomac. Donc, les aliments ne vont pas jusqu'en haut. Ensuite, on a le corps gastrique. C'est la portion verticale ici. Et enfin, on a la portion un peu plus horizontale qui est l'antre. Et ensuite, on arrive au pylore. Maintenant, au niveau des différentes couches, on a vu qu'on avait une muqueuse, donc c'est la couche la plus interne. On va voir qu'elle présente, donc comme sur la photo, là, des invaginations, des plis gastriques. Et c'est là, au niveau des cellules gastriques de la muqueuse, que vont être sécrétées les molécules d'acide chlorhydrique.
Ensuite, deuxième couche, ça va être la sous-muqueuse. Donc, c'est une lame porte-vaisseau, c'est-à-dire qu'en son sein vont circuler les vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques. Et c'est elle qui va permettre donc d'apporter les vaisseaux nécessaires aux cellules gastriques pour que celles-ci puissent sécréter l'acide chlorhydrique. C'est elle qui va permettre en fait la fonction de sécrétion de l'estomac. C'est pour ça que cette vascularisation, elle est très riche. Et enfin, dernière couche, la plus externe, c'est la couche musculeuse. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a trois types de couches au niveau de l'estomac, trois types de fibres musculaires au niveau de l'estomac. On a les fibres longitudinales externes, les fibres circulaires internes et spécifiquement à l'estomac, la couche oblique. Ok, donc on a vu que l'estomac, il était trimusclé parce qu'il avait une couche supplémentaire et qu'en plus, il doit sécréter l'acide chlorhydrique. Donc pour ça, il va lui falloir une vascularisation très importante. On rappelle, tout à l'heure, on a vu que c'est à partir du tronc cœliaque que va partir l'artère gastrique, mais aussi l'artère hépatique. Plus précisément, on a l'artère hépatique commune qui naît du tronc cœliaque, donc en T12 au niveau de l'angulus. Cette artère hépatique commune, elle va donner une artère gastro-duodénale et prendre ensuite le nom d'artère hépatique propre, qui remonte vers le foie avec ce trajet en forme de faux. De l'artère hépatique propre va naître l'artère gastrique droite. L'artère gastrique droite, elle va longer la petite courbure et s'anastomoser avec l'artère gastrique gauche. L'artère gastrique gauche, elle naît directement du tronc cœliaque. Elle se divise en deux branches qui vont longer une en arrière et une en avant et une en arrière la petite courbure et s'anastomoser avec l'artère gastrique droite pour former le cercle artériel de la petite courbure. Ok. Ensuite, du tronc cœliaque va partir aussi l'artère splénique qui va passer en arrière de l'estomac avec ce trajet très sinueux, va donner l'artère gastrique postérieure qui remonte le long de la face postérieure de l'estomac, va donner aussi des cinq vaisseaux courts qui vascularisent l'estomac ainsi que l'artère gastro-omentale gauche. Donc artère splénique, elle vascularise la rate et elle donne essentiellement l'artère gastro-omentale gauche. Cette artère gastro-omentale gauche va former, en s'anastomosant avec l'artère gastro-omentale droite, le cercle artériel de la grande courbure. L'artère gastro-omentale droite, en fait, elle naît de l'artère gastro-duodénale qui passe en arrière du duodénum et vascularise le duodénum et le pancréas. Et on a aussi ici des branches œsocardio-tubérositaires qui naissent de l'artère gastrique gauche pour vasculariser la région du cardia. Donc on récapépète. On a un cercle artériel de la petite courbure qui est formé par l'anastomose de l'artère gastrique gauche et de l'artère gastrique droite, et un cercle artériel de la grande courbure qui est formé par l'anastomose de l'artère gastro-omentale gauche et de l'artère gastro-omentale droite. On remarque que de ces deux cercles artériels partent des vaisseaux droits qui vont s'anastomoser entre eux pour connecter les deux cercles artériels. Voilà, donc reprenez tout ça bien calmement et apprenez bien le schéma, c'est comme ça que vous retiendrez cette vascularisation gastrique qui est très importante. Ok, maintenant il ne nous reste plus qu'à voir pour cette première vidéo le bloc duodéno-pancréatique. Donc, duodéno-pancréatique. En fait, on dit que le duodénum ici, il va encadrer le pancréas un peu comme un pneu autour de sa jante. On va d'abord regarder le duodénum, donc il fait suite à l'estomac après le pylore et il est divisé en quatre parties. D1 qui est horizontal, D2 qui est vertical, D3 horizontal à nouveau et D4 qui est horizontal et qui s'arrête au niveau de l'angle de Treitz, qui marque la limite entre le duodénum et le jéjunum, c'est-à-dire la première et la deuxième partie de l'intestin grêle, la troisième étant l'iléon.
Ok. Maintenant, on va voir le pancréas et le carrefour duodéno-pancréatique. Donc, le pancréas, vous l'avez vu, c'est un organe amphicrine, c'est-à-dire qu'il a deux fonctions, endocrine et exocrine. La fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il sécrète des substances à l'intérieur de l'organisme, correspond en fait à la sécrétion de l'insuline et du glucagon, tandis que la fonction exocrine, qui va permettre la digestion, c'est la sécrétion de suc pancréatique qui va se faire via différentes voies. En effet, donc on a plusieurs parties au niveau du pancréas qui vont sécréter ces substances. On a la tête, l'isthme, le corps et la queue du pancréas. On rajoute à ça deux annexes. On a le tubercule omental en arrière de D1 et le petit pancréas de Winslow qu'on appelle aussi le processus incinatus ou le crochet du pancréas, qui lui est plutôt en arrière du D3. Alors, une fois sécrété, c'est ce suc pancréatique, il va être acheminé jusqu'au deuxième duodénum via différents canaux. D'abord, on a le conduit pancréatique principal de Virsung. Celui-ci, donc, il va se continuer tout le long de la queue, du corps, de l'isthme, du pancréas. Et au niveau de la tête, il va présenter une brisure pour se diviser donc en un conduit pancréatique accessoire de Santorini qui s'abouche au D2 via une papille mineure. Et toujours le conduit pancréatique principal de Virsung qui s'abouche au D2 via une papille majeure. Donc tous ces canaux-là, ils acheminent le suc pancréatique jusqu'au D2. Maintenant, au niveau du foie, on a la sécrétion de la bile. On rappelle que le foie, il fabrique la bile et que celle-ci est stockée au niveau de la vésicule biliaire. D'ailleurs, les patients en fait, qui ont des problèmes à la vésicule biliaire et qui vont devoir se la faire enlever, on appelle ça une cholécystectomie, et bien, du coup, ils vont avoir une sécrétion permanente de bile puisque celle-ci n'est plus stockée, ce qui fait qu'ils vont avoir des problèmes type diarrhée. Donc, la bile, elle va être sécrétée premièrement dans les conduits hépatiques droit et gauche, qui vont se rejoindre à la convergence biliaire supérieure pour former la voie biliaire principale. La voie biliaire principale, elle est rejointe par le conduit cystique au niveau de la convergence biliaire inférieure et ça forme le conduit cholédoque. C'est tout ce qui est là. Ce cholédoque, il va passer en arrière de D1, en arrière de la tête du pancréas, et il va s'aboucher avec le conduit pancréatique principal au niveau de ce qu'on appelle l'ampoule de Vater ou encore ampoule pancréatico-biliaire. Cette ampoule, elle est engainée par le sphincter lisse d'Oddi qui va permettre donc de réguler en fait l'issue de bile et de suc pancréatique dans les D2. Donc toujours via la papille majeure. Donc on a le suc pancréatique sécrété par le conduit pancréatique principal, notamment, qui est rejoint par la bile, par le cholédoque au niveau de l'ampoule de Vater. On a donc ces deux substances qui vont se mélanger au sein du duodénum, et en fait, à ce moment-là, on va avoir une seconde digestion qui va être enzymatique. En fait, le mélange des deux substances, ça va venir activer des grains de zymogène et ça va venir fondre les aliments au sein du duodénum. Donc, on parle de deuxième digestion parce que la première, on rappelle, elle s'était faite au niveau de l'estomac. Donc, on parle ainsi de carrefour digestif biliaire et pancréatique parce qu'on a bien le carrefour digestif, c'est les aliments mêlés à l'acide chlorhydrique. Le carrefour biliaire, bah, c'est celui qu'on a vu avec le cholédoque. Et le pancréatique, c'est les sucs pancréatiques avec le conduit pancréatique principal et accessoire. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que tout était clair et n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo. Bisous!